Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur LTU Radio. Voilà, alors nous sommes mardi, c'est le jour de la voyance et de la médiumnité. Voilà, où j'ai le plaisir de vous accueillir depuis, ben ça va faire 3 ans là, sans mine de rien. Ça passe, ça passe, ça passe. Voilà, alors je ne sais pas combien de personnes sont passées depuis le début des émissions, mais en tout cas ça fait 3 ans. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va avoir le plaisir d'accueillir quelques personnes ce soir pour voyager avec eux à travers le temps. Voilà. Alors, avant tout ça, je voudrais vous signaler que cette semaine, nous aurons le plaisir d'accueillir Florence Trichet, qui nous vient du côté de Nantes. Voilà, et qui vient de sortir son livre Ophélie à fleur d'âme. Voilà, ça parle de sa fille qui est partie de l'autre côté du voile. Et elle sera notre invitée jeudi prochain à partir de 21h30. Voilà. Et vendredi, dans le cadre de l'émission, donc à demain, vers demain, on recevra Kate, que vous avez l'habitude d'accueillir un mardi sur deux, dans l'émission L'Arbre aux étoiles. Et donc, vendredi prochain, elle se propose de venir vous expliquer le déroulé d'une séance de psychogénéalogie. Voilà, donc ça, ce sera pour vendredi prochain à partir de 21h. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne son émission, donc L'Arbre aux étoiles, ce sera de suite après l'émission Au cœur du temps, l'émission de voyance. Et donc, si vous voulez vous inscrire, il n'y a pas de souci. Vous cliquez sur l'onglet Inscription et de là, vous choisissez l'émission Psychogénéalogie. Voilà, bon, vous passerez pas ce soir parce que ce soir c'est déjà préparé. Il y a quand même une petite préparation à l'avance pour faire son travail. Voilà, elle passe quelques temps avant que vous puissiez passer à l'antenne. Et donc, si vous voulez vous inscrire pour la semaine, enfin, pendant 15 jours ou dans un mois environ, hein. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous vous inscrivez directement sur le site ltu-radio.fr. Voilà. Alors, on va faire un petit tour dans le chat. Voilà. Alors, bah, bonsoir Mumia, bonsoir Mysteria, Christian, Laura, Pascal, Le, Nizou et deux invités pour l'instant. Et puis bonsoir à ceux qui ne sont pas encore dans le chat. Voilà. Alors, je vous propose d'écouter une chanson avant d'accueillir la première ou le premier invité, vu que ce sera un homme, c'est rare, alors ça se souligne hein, quand même. Voilà, alors ce sera Bruno, et on va s'écouter Christian Vidal, c'était un chanteur des années 70, là, et qui chante la chanson Angélique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Angélique, mon bonheur c'est toi. Voilà, bon, bah, je vous mets ça, et puis on accueille de suite après Bruno. À tout de suite. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur deux vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt! Voilà. Alors, eh bien, normalement, on devrait accueillir Bruno. Bonsoir, chef. Voilà, comment vas-tu, Bruno? Bah, ça va et toi? Ça va, tranquille. Toujours en Tranquille. forme? Toujours en forme, oui. Alors, oui, on vient de passer la petite annonce pour Kate, donc vous avez rendez-vous avec elle à partir de 21h30. Voilà, D'accord, oui. mais aussi, je dois vous donner des informations concernant donc Jacqueline. Voilà, je l'ai eu au téléphone ce week-end et voilà, elle sera de retour cette semaine. Elle a eu des petits problèmes avec sa maman et j'ai bien dit des petits problèmes, donc ça veut dire que tout est rentré dans l'ordre et elle sera avec nous mercredi prochain à partir de 19h30. Donc voilà, donc je suis vraiment Ok. content de la retrouver. Voilà Bruno, on est à nous deux. À nous deux, ouais. Voilà. Alors il va falloir que tu fasses attention au niveau des dents. Des dents. Oui, il va falloir aller vérifier une dent du fond, j'ai l'impression.
J'ai fait dernièrement, ça a été en soins, mais c'est possible qu'il y ait d'autres à faire. Voilà, bah, y a, voilà, je sens ça, je sens les dents. Hein. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y en a une, des fois il me titille, mais sans plus, mais tu as raison. Ouais, bah, ouais. Ce serait bien d'y aller, ce serait bien d'aller voir. D'accord. D'accord. Je suivrai ton conseil. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était Bruno. Merci, docteur. Bon, Bruno, est-ce que tu es en séparation, quelque chose comme ça, ou tu es seul, j'imagine? Oui, depuis quelques mois. Enfin, depuis quelques mois, oui, parce que on sent l'isolement chez toi. Hein. Ah oui, c'est vrai que la dernière relation que j'ai eue, ça m'a fait un coup quand on s'est quitté. Enfin, on est resté amis, quoi. Mais ouais, mais on bon, moi, je voulais voilà. Autre chose, mais ça m'a fait un coup, ouais, parce que c'était vraiment quelqu'un de bien. Enfin, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Ouais. Ben oui. Voilà, donc c'est ça, on te sent seul, mais on sent quand même, malgré tout, peut-être que tu cherches trop la perfection aussi. Ah oui, mais ça, j'arrête de chercher. Voilà, il faudrait que tu sois plus modéré, ou enfin, je sais pas comment il faut dire, oui, c'est vrai. Dans tes choix. Ah ouais, il faut que j'apprenne à accepter ce qui est, enfin, quelque chose. Voilà, ce qui est, tout simplement, oui. Oui, j'ai médité dessus parce que je me suis dit, il y a souvent quelque chose qui ne va pas, mais bon. Alors, fais attention aussi au niveau articulaire, parce que on sent des problèmes d'articulation. Ça arrive aussi. Mais voilà. Ça, c'est surtout quand je suis dans un état fatigué. Oui, et c'est tes genoux qui trinquent, j'ai l'impression. Exactement. Ouais, dis donc. Je sais, je te connais depuis des années, mais je sais que tu vois bien, mais oui, c'est vrai, je te confirme, c'est ça. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que ouais, t'as raison. Ouais. Alors, il y a aussi les non-dits, on va dire, les choses que tu dis pas. Tu as un côté, d'accord, un côté franc peut-être, mais en même temps, il y a des choses que tu n'oses pas dire, des choses que tu dis pas. Oui, c'est possible parce que. Bah, et notamment d'un point de vue familial, on va dire. Familial, je sais pas. Ben, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression, on ressent ça. C'est deux enfants que tu as, hein ? Oui. D'accord. Ben, je sais pas, il y a quelque chose qui, au niveau langage, qu'on ne dit pas aux enfants ou que les enfants ne disent pas, il y a quelque chose qui coince de ce côté-là. D'accord. Ah, c'est peut-être avec mon fils, parce que je pense. Il est assez... par moment, il est renfermé, timide et tout ça, mais il n'est pas que ça. Quand il est avec sa vie de copain, c'est un autre garçon, quoi. Mais oui. C'est vrai qu'on a du mal à parler. Il a quel âge, ton fiston ? Comment ? Il a quel âge ? 22 ans. 22 ans. Au niveau copine, il a du mal aussi ? Je sais pas comment. Oui, c'est possible. Je la connais depuis 2 ans à peu près. Donc maintenant, ils vivent ensemble depuis quelques petits mois. Ouais, mais il faudra. C'est pas toi de le faire. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de communication entre eux. C'est possible. Hein. Je te confirme que tu vois juste parce que ils doivent voir. Ils sont bien ensemble, quoi. Mais c'est au niveau communication. Je pense que ça ne suffit pas, quoi. C'est pas. Voilà. Et j'ai peur qu'à long terme la copine. J'espère que ton fils n'écoute pas. Non. J'ai peur qu'à à long terme que la copine ne trouve pas son compte et puis qu'elle finisse par partir. C'est possible. C'était ma réflexion aussi. Ouais. Parce que bah je connais mon fils, quoi. Donc bon, je sais que ça peut pas plaire tout le temps à la personne à qui on est, quoi. Mais oui, c'est possible, tu as raison. C'est mon sentiment aussi. Ouais. Voilà, bah, on a le même sentiment, alors. Mais bravo, Jeff. Ouais, non, mais c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Avec toi. Et puis, je sais pas, il a. Alors, il est en train de se battre contre lui-même aussi, ton fiston. Ah, ça, c'est possible. Mais... parce qu'il a un côté féminin qui est développé. Ouais. Et d'un autre côté, c'est comme s'il disait « je veux être un homme ». C'est possible, ouais, c'est possible. Ah, c'est sûr. Et il a eu une enfance pas terrible aussi, et puis beaucoup renfermé sur lui-même, donc il a du mal à s'extérioriser. Bah, c'est son côté féminin qui est son côté féminin. Après, tout le monde a un côté féminin, tout le monde a un côté masculin. Hein. Oui, après. Oui. Mais voilà, il est comme ça, il a ce côté-là, et il a une espèce de dualité en lui, où il est obligé de... Enfin, il lutte pour asseoir sa virilité, si je peux dire, quoi. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Ah, ouais.
Je le vois changer là depuis, ça doit faire 3 mois qu'il est parti, je crois, trois, quatre Ouais. mois. Mais je vois qu'il change là. Il devient quelqu'un de bonne, mais petit à petit, quoi. Voilà, il est en train de mettre les choses en place. Voilà, mais j'ai peur quand même à plus ou moins long terme que voilà que peut-être il va changer de copine, on va dire. Ouais, c'est possible. Ouais, ou Enfin, c'est à mon elle qui avis, c'est elle va. qui parle, c'est sa copine qui risque de partir, parce que elle a l'air d'avoir quand même du caractère malgré tout. Oui. Ouais, c'est ce qu'elle veut. Elle a la tête sur les Oui, épaules. oui, oui, oui. Ouais. Et lui, il a du mal un petit peu à suivre. Ouais, c'est possible. Ouais. Voilà. Mais parce qu'il est resté beaucoup comme les garçons de son âge, beaucoup tout ce qui est PlayStation et tout ça, tous ces jeux électroniques, quoi. Ouais. Je sais que sa copine n'est pas trop dans ce domaine-là. Et puis bon, c'est vrai que si un jour il met pas un peu ça de côté, c'est sûr que ça peut. Dans une vie couple, c'est pas bon. On peut Voilà. s'amuser un peu, mais pas tout le Et monde. mais on sent chez lui aussi ce côté fatigue. Fatigue, t'as dit? Il doit traverser un moment où il est fatigué là. Je l'ai vu là dernièrement. Oh, ça avait l'air d'aller, mais je sais pas. Je sais Il y pas a du un tout. côté, moi je sens je sens la fatigue. Et c'est en fait il a le même truc que toi au niveau des jambes. Et je pense que toi aussi tu dois avoir tu dois être en période de fatigue là aussi. Ah je te confirme que depuis un mois et demi, je prends un entraînement qui dure 2 mois, du magnésium marin que je D'accord. spécifique que je prends le soir. Et le matin, je prends du vitamine C, cola et tout ça, enfin des trucs. Mais oui, je suis assez fatigué. Ouais. Voilà, mais tous les deux. Hein, en fait, vous êtes. Même si tous les jours, même si ça colle pas tout le temps entre vous deux, Ouais. on va dire que vous êtes quand même. Vous avez un espèce de côté fusionnel quand même. Ah oui. Ouais. Mais autrement, non, autrement, c'est une bonne relation avec mon fils, Oui, là. Je mais je dis pas le le vois contraire. moins maintenant, mais. Je dis pas le contraire, je dis que vous êtes fusionnel. Des fois, ça peut prendre feu, quoi, des Ouais, fois. ouais. Mais voilà. Et vous vous suivez au niveau. En fait, quand il y en a un qui est malade, souvent il y a l'autre qui va être malade en même temps. Ça s'est déjà arrivé plusieurs fois, ce genre de phénomène, ouais. Ben Ouais, oui. c'est vrai, ouais. Ouais, c'est Voilà, il vrai. y a ça, il y a ça. Et là, justement, ben, je vous sens fatigué tous les deux. Voilà, tout simplement. Ah, c'est possible, hein. Bon, lui, je sais pas, mais moi, je sais Et que. toi, tout à l'heure, je parlais de tes articulations au niveau des genoux. Et Ouais. ben là, c'est ta jambe gauche, on sent qu'elle est fatiguée. C'est comme si elle avait du mal à tenir le corps. Ah, c'est possible, mais je crois que c'est dans ma jambe gauche où je me suis fait opérer du ménisque il y a quelques années en plus. D'accord, ok. Donc je ressens ça aussi. Hein. Ah ouais. Waouh. Voilà. Je ne sais pas si je peux le dire, il y aura aussi un décès qui va arriver, un départ de l'autre côté. Ah. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est autour de toi, très proche quand même. D'accord, ouais. Ça te parle? Non, mais non, dis pas plus parce que c'est vrai que Je j'ai dis tendance pas. souvent à sentir ça. Puis bon, j'ai quand même des parents âgés. D'accord, ok, on va s'abstenir alors, hein. Ouais, je préfère laisser la vie. Oui, non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Parce que on m'a dit de te dire ça, donc moi je répète, mais après, il faut savoir si toi tu es prêt à l'entendre ou pas. Mais voilà, hein, moi on me dit, voilà. D'accord? Ouais, Ouais, on sent comme une rupture quand même. Hein. Alors, je sais pas de rupture de où. T'as envie de partir? T'as envie de changer ou de quelque chose comme ça? j'y pense, mais. Bon, je suis un peu bloqué par certaines choses. Alors, explique-moi parce que. Il y a des jours, comme à peu près tout le monde, des fois on en a marre de l'accumulation de plein de choses et puis on a T'as envie marre de de ton boulot, quoi, en gros, quoi. voilà de foutre tout en l'air, puis de partir, puis voilà. Mais pas partir loin, parce que si je pars, je retournerai vivre à Brest. Donc pour te dire. Ouais. Mais il y a un déménagement qui se profile pour toi quand même, hein, malgré tout, hein. Eh ouais. Oui. Tu as un appartement là? Voilà. C'est comment? C'est un vieil appartement ou enfin, l'entrée, je parle de l'entrée. Non, C'est moderne?
C'est des appartements HLM. D'accord, donc c'est assez moderne. Et je te vois, moi j'ai l'impression que tu vas partir assez rapidement. Et comme on m'a montré un vieux truc, moi j'ai l'impression que tu vas prendre quelque chose de provisoire. Ah bon? Oui, tu risques de, tu vas pas attendre qu'on te propose un autre HLM, on va dire. Ah oui, c'est possible. Voilà, Ouais, tu c'est risques de possible. partir assez rapidement, ça va En être pour le HLM, la liste travail. d'attente est trop longue et je ne tiendrai pas. Le jour où j'aurai décidé, Voilà, donc tu vas prendre un appartement en attente de, Ah ouais. et ce sera un vieil appartement. Ah Parce oui, qu'on m'a d'accord. montré un vieil appartement, alors je ne savais pas si c'était de là où tu viens ou là où tu vas. Tu vois? Ah oui, non, parce que ici, ça va. Donc c'est là où tu vas aller, ce sera quelque chose de provisoire et parce que tu seras un petit peu pris dans l'urgence Ah ouais, par d'accord. rapport au travail. Donc j'ai l'impression qu'il y a un changement de boulot qui va se pointer à l'horizon. Ah, bon, c'était un peu pour ça ma question. J'allais te demander justement pour ça. Tu travailles dans quoi? C'est quelque chose que ça roule ou quelque chose comme ça, avec des camions ou des... Ouais, enfin, je travaille sur un chariot élévateur. Tu es sur un chariot élévateur. Bon, bah, des places de cariste, hein, il y en a partout. Hein. Ouais. Et justement, bah, j'allais te poser une question Oui? par rapport à ça, justement. Ouais, donc, enfin, t'es allé sur le sujet, donc. Justement parce que je travaille dans une entreprise où le côté relationnel n'est pas toujours facile à cause d'une minorité de personnes. Et par rapport à une personne, bah, Ouais, j'ai... mais quand tu vas au boulot, tu es tellement enfin, contrarié ou gêné quand tu vas au travail que ça te prend la tête, ça te met physiquement. Ouais. Et je sens des maux de tête quand tu arrives à ton travail, je sens comme si tu attrapais des maux de tête et comme des sortes de vertiges. C'est ça, ouais. Mais ça, c'est aussi Et dû ça, c'est parce dû, que j'ai changé de lunettes, j'ai des lunettes c'est dû au fait progressives et je me dis, bah, que ouais. c'est dû au Mais. fait que tu n'es pas bien dans tes baskets quand tu vas au boulot. Et donc, quand on arrive à ce point-là, il est temps de changer. Hein. Ouais, bah, ça, c'est ce que je suis en ce moment. Et donc, bah, justement, j'ai demandé un rendez-vous de patron par rapport à une personne. Et donc, c'est la deuxième fois que ça se produit en quelques mois. Mais j'ai l'impression que les choses se sont un petit peu retournées contre moi, malgré que je sais que le patron, bah, il peut pas me dire réellement ce qu'il a envie de me dire, quoi, mais il est Tu vas obligé de partir de là de réagir toute d'une façon. Hein. manière. Et par contre, au niveau de travail, personne ne me reproche quoi que ce soit. Le prénom Et Denis, ça te parle? le Le prénom Denis, Denis, ouais. c'est qui? Oh, enfin, je sais pas, c'est quelqu'un dans l'entreprise, ouais. D'accord. C'est pas avec lui que tu as des ennuis? Non, non, non. D'accord. Lui, je suis parti de la direction, puis non, je m'entends très bien avec lui. D'accord. Donc peut-être que c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être ce Denis-là qui va il va peut-être t'aider un petit peu au niveau de l'entreprise, au niveau des problèmes que tu as dedans. Ben, c'est celui qui est en dessous, le directeur, enfin, si je peux Voilà, m'exprimer bah comme ça. lui va peut-être essayer de mettre un petit peu de l'eau dans le vin, si on peut dire. Ah ouais. D'accord? Ouais. Pourtant, lui, il a pas ce rôle-là, normalement. Bah ça fait rien, hein. Moi on me donne ce prénom et on me Oui, dit oui. qu'il a affaire avec ton histoire. Hein. Ah bon? Bah oui, il va peut-être ou il va peut-être être témoin de quelque chose et puis il va te défendre. Hein. Ah ok, pardon. Ouais. Et Voilà, en donc. tout cas, il va interagir dans ton problème. Mais ça ne t'empêchera pas de partir quand même de toute façon. Ouais, c'est moi qui partira. Tu n'as pas intérêt à partir. Vaut mieux que tu attendes qu'on te vire, si je peux dire. Ben justement, c'est ce que j'ai demandé. C'est à cause de toutes ces situations relationnelles qui sont pas toujours faciles et puis que des fois ça me fatigue. Est-ce que justement je risque quand même de me faire licencier? J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Je disais, justement, à cause de toutes ces situations relationnelles qui sont pas toujours faciles à vivre, Ouais. à cause d'une minorité de personnes, parce qu'il y a très peu de personnes, mais bon, il y a toujours, quand il y en a, c'est toujours désagréable. Est-ce qu'à cause de ça, je risquerais de me faire licencier? Bah oui, mais moi je pense que tu partiras. De toute façon, tu restes pas là. Hein. C'est plus ta place, t'as besoin d'autre chose. T'as besoin de développer autre chose aussi en même temps. Hein. Donc voilà, il y aura un autre boulot. Ah ouais. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Ça va, parce qu'il nous reste 5 petites minutes si tu veux. Ouais. Donc, du coup, j'ai rendez-vous à la médecine du travail jeudi. Ça ira de Ouais. mon sens ou du sens de l'entreprise? Ah non, la médecine du travail, c'est pas fait pour te. Ils sont pas là pour dire si c'est bien dans l'entreprise. On va Ah te ouais. juste te dire si tu es apte à aller au travail ou pas. Voilà, c'est ça, ouais. Mais dans l'état où tu es,
Oh, t'as une fille qui a des problèmes de dos ou quelque chose comme ça? J'ai ma fille, mais elle me dit pas pour l'instant qu'elle a des problèmes de Ah bah dos. je sors de tout le dos. Ah bon? Ouais. Oui. Elle a quel âge? 20 ans. 20 ans, d'accord. Ces problèmes de dos au niveau des reins? Ah ouais. Oui, c'est rénal apparemment. C'est peut-être qu'elle boit pas assez ou quelque chose comme ça, mais c'est dans le dos que ça fait mal. Ah d'accord, ouais. Bon, je le sens comme ça. Donc, ça veut dire qu'elle est. Il faudrait qu'elle boive un petit peu plus, peut-être. Ah ouais, je crois qu'elle boit pas beaucoup. Enfin, elle boit, mais Pas pas. assez. Ouais, pas assez. Ouais. Pas assez. Voilà. Bon, on retourne au petit. À ton boulot. Ah ouais. Je sais plus où j'en étais. Attends, je veux. Ouais, enfin, tu me disais que je vais changer d'emploi, mais Voilà, oui. Il y aura ce changement, hein. ah Ce ouais. changement va venir. Donc pour toi, je vais me faire licencier par la suite. Oui. Et puis, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait te pistonner sur Brest pour trouver du boulot ailleurs? Non, de ce côté-là, non. Je pense que je vais Non? me débrouiller comme d'habitude tout seul, quoi. Ce que tu vas trouver, pour moi, j'ai l'impression que tu trouves assez rapidement quand même, mais j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui parle pour toi. Ah bon? Oui, c'est que c'est. J'ai cette impression-là. Ouais. J'ai ce Bon, bah, ressenti-là. ça serait bien. Mais de toute façon, moi, je suis un bâton. C'est vrai que. Mais oui, tu vas y aller. Voilà, je resterai Comme on dit, pas haut les les deux pieds dans le cœurs. même sabot, mais c'est vrai que Oui. là, dans le moment, c'est un peu ouf, quoi. Oui. Ça va aller, ça va aller. Don't worry, be happy. Qu'est-ce que ça dit? C'est pas compris. Don't worry, be happy. Ah oui. Oui, d'accord. Merci pour la leçon. Voilà. Bon, du coup, je vais te laisser. Voilà, bah oui. Bah je te dis à bientôt. Ouais, et puis bah, je te remercie pour ta prestation. Voilà, oh bah c'est rien, hein. Ouais, mais. Non, mais tu sens bien les choses. Oui, mais si en même temps, si je sentais pas les choses, je ferais pas l'émission. Oui, en même temps, ouais. Ouais. Voilà Bon, quoi. je te souhaite une bonne soirée, Jeff. De même, et puis peut-être à une prochaine fois aux conférences. Oui, je reviendrai. Ouais. Peut-être qu'on aura l'occasion de se voir. Oui, ça fait au moins un an et demi que je t'ai pas vu dans les conférences. Oui, la dernière fois c'était ouais, sur Brest. Ah oui, bah ça doit faire un an et demi, hein. Ah ouais, oui, c'est possible. Ouais, c'est vrai. Ouais. À peu près, hein. Ouais. Voilà, Bruno. Ok, bon, merci, Jeff. À bientôt. Bonne soirée à toi. Salut, salut. Voilà. Ah oui, alors on essaye de changer la couleur là. Voilà, on essaie de changer la couleur pour les discussions dans le chat pour passer à l'antenne. On va mettre ça en fuchsia mauve parce que le bleu j'ai du mal à le lire, décidément. Voilà. Donc si vous pouvez mettre les trucs en fuchsia, voilà et voilà. Voilà. Alors, je vais essayer de lire un petit peu. Non, là, il n'y a pas de fuchsia. Un vrai scanner en 3 minutes. C'est qui dit ça? C'est Juliette. Bonsoir, Jeff, Pascal, Daniela. Salut, Sophie. Bonsoir, Yann. Je vois que tu es rentré. Bonsoir, Mumia. Sophie, ben, je vais prendre la liste. Hein. Mumia, Mysteria, Christian, Laura, Pascal, Nizou, Juliette. Yann, Daniela, Sophie, l'au-delà de cette vie, Kata, cœur de sorcière, Nanou et Laurent. Voilà. Donc Jeff a fait la voyance pour toute la famille, c'est fou, ses capacités incroyables. Mais non, c'est rien. Voilà. Alors, bonsoir Kata, oui. Je vois que c'est marqué. Alors, je me sens autre reste à assimiler. Voilà. Kata, je ne sais pas trop, mais clique car je clique pour aider les animaux sur des sites. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, les questions en fuchsia, s'il vous plaît. Alors, Daniela, est-ce que Kataclick peut nous donner le lien pour cliquer pour aider les animaux? Voilà, Kata, si tu peux donner le lien. Pépito est-il d'accord? Oui, Pépito est toujours d'accord. Voilà, ma mascotte. Ma margotte, comme disait le manège enchanté.
Alors, l'au-delà de cette vie, Jeff, c'est comme une radio du corps, il voit tout à l'intérieur. Voilà, oui, on peut dire ça presque, mais bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas aussi, hein. Voilà. Alors, on va s'écouter Les Frérots de la Vega avec Ton visage. Et de suite après, on accueillera donc Marilène. Voilà. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes. Ne quittez pas, nous revenons. Enfin, je reviens parce que je suis tout seul en fait. Bonsoir, Jacqueline est à votre écoute. Si vous vous interrogez sur l'après-vie, humaine, animale, ou sur le monde des esprits en général, si vous désirez obtenir des nouvelles d'un proche disparu, avoir une aide, un soutien, ou une compréhension sur certains points, alors pourquoi hésiter? Retrouvez-moi sur LTU-radio dans l'émission La Plume de l'au-delà que j'anime pour vous tous les mercredis de 19h30 à 21h30. Je vous dis à bientôt et au plaisir de partager ensemble ces quelques instants. Voilà, et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez rendez-vous à partir de mercredi 19h30 avec Jacqueline et la plume de l'au-delà. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, hein. Comme je l'ai marqué sur le chat, c'est 100% gratuit. Voilà. Et on accueille Marilène. Allô, allô? Oui, bonsoir. Ça bonsoir va? Jeff. Tu vas bien? Oui, et toi? Ça va, ça va. Bon, bonsoir tout le monde. Ben oui, bonsoir toute seule, comme on dit. Oui. Voilà. Alors, comment vas-tu? Ah ben écoute, dans l'ensemble, pas mal, hein. Voilà. J'attends que tu m'en dises plus. Voilà. Alors, chez toi, c'est le dos. Il faut faire attention au dos. Ah ben, oui. On a l'impression qu'il y a une visite chez le docteur par rapport à ça qui va arriver. Une quoi? Pardon? Une visite chez le docteur. Oh, je fais que ça, Jeff. Ouais, bah y a, on sent bien. Tu as pas attrapé tes problèmes de peau là, de gratouille ou des choses comme ça là? Non, pas pour le moment. Bah, je sens non. Ça, comme si t'avais, comme s'il y avait un eczéma ou quelque chose comme ça. Peut-être aux oreilles. Ah bah oui, mais c'est la peau quand même, hein. Mais voilà. Oui, c'est quand même la peau. Voilà, donc je me trompe pas, parce que ça gratte, hein, moi ça me gratouille. Oui. Voilà. Alors j'étais en train de me demander si t'étais pas avec quelqu'un que l'histoire se terminait. Ah bah non, j'ai personne. Ah bah ouais, voilà, bah donc c'est terminé quoi. Ah bah ça a pas commencé. Oui. Non, je vois pas, non. Voilà, bah moi je pour moi c'est comme si t'étais tout seul parce que l'histoire est terminée, voilà, tout simplement. D'accord. Donc voilà, donc comme tu me dis en plus que t'es tout seul, donc. Oui. En fait, voilà. Seul au monde. Je suis seul au monde. J'ai un prénom, mais je crois pas qu'il corresponde à quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. On me donne le prénom Déborah. Ça me dit rien. Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'entendais ça dans mes oreilles et je me suis dit, mais ah, ça veut rien dire. Je trouve ça bizarre. Voilà. Non. Me dis pas qu'il y a un déménagement aussi qui se prépare chez toi. Oh, c'est vrai? Tu vois ça? Bah oui. On me parle de ça. Je me doutais que t'allais le voir, c'était obligé. Bah, on me parle de ça. Oui, j'ai un déménagement pour un nouvel appartement où je me rapproche de mes filles. Ouais. Et j'ai réussi normalement à l'obtenir, donc si tu confirmes, ce n'est que mieux. Voilà, et bah c'est ça. On me parle de ça. Encore des cartons, dis donc. Allez, ça cartonne! Allez, ça cartonne. Pour le moment, c'est pas trop mal, hein. Oui. Bah oui. Oh, bah, mes problèmes de dos, ça fait des années, hein. J'en suis pas sortie, hein. Ouais. Moi, je sens ça. Et petit problème circulatoire dans les jambes aussi, hein. Ah oui, moi, je vieillis. Hein. Tu? J'ai pas compris. Je vieillis.
Ouais, mais on sent sur le côté des jambes vers l'intérieur, c'est tu dois avoir des varices là qui sont Oui. ou des veines qui sont inflammées ou quelque chose comme ça. Ouais, problème circulatoire, ouais. Voilà. Voilà. La vue aussi. La vue, oui. Ben, on taille en sucette. Non, mais attends, Jeff, je vais avoir 64 ans, alors, Ah hein? oui! Hey, toi, t'es jeune. Moi j'ai 52. Ah, ben, t'es jeune. Oui, je déjeune, oui, j'adore aller manger. La vue, oui, j'ai ma vue à faire contrôler de Voilà, tu dois nouveau. aller. Si on me dit ça, c'est qu'il faut que tu ailles voir l'ophtalmo et que normalement, si tu as des lunettes, on va te les changer. Oui. Parce que t'as ton œil droit qui fatigue. Voilà. Ouais, sinon, au niveau santé, le reste, peut-être une petite fatigue au niveau intestinal aussi. Oui. Voilà, mais sinon, je vois rien Oh, de. tout ça Voilà. est lié à l'angoisse. Tu vois pas une naissance dans la Dans la famille? famille, oui, autour de toi. Une naissance Il y en a une. dans Mais ça se l'année. demandait s'il n'y a pas un concours de naissance chez toi. Je sais pas. Ben, j'ai l'impression qu'il y a comme un. Ah, tu en as fait un, moi j'en fais un aussi. Tiens, ta 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 ta. Et voilà. Ah, non, je crois pas. Ben, j'ai l'impression qu'il y a ça. Parce que on voit des. Voilà. Je suppose. Oui, c'est une de tes filles. Tout à l'heure, tu as parlé de tes filles. Donc, je reprends le. Comme tu m'as parlé de filles, donc je te répète fille. La fille qui va avoir un enfant. Oui. Elle a pas un petit peu des petits soucis? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelques petits soucis financiers qui arrivent en même temps. Ah. C'est pour ça que je te Bah parle de écoute, ça. c'est tout nouveau, donc je ne sais pas plus ça. Voilà, Donc ben tu moi c'est vois ce quand qu'on me même dit. ce bébé qui arrivera. Moi j'ai l'impression que c'est une fille qui a des soucis financiers qui va faire le bébé. D'accord. Voilà. Bon, c'est une période à passer. Il faudra qu'elle surveille aussi ou qu'elle fasse en sorte de pour le nerf sciatique. D'accord. Parce qu'elle risque d'avoir des petits soucis au niveau du nerf sciatique. Parce que D'accord. ça me fait mal en fait. D'accord. C'est pour ça que je te dis ça, parce que si je ressens moi, c'est qu'elle va avoir aussi. Hein. D'accord? Donc, il y a possibilité qu'elle boite un petit peu. À part ça, tu vois rien de... De mauvais, non? Pourquoi? Je ne vois pas que des Non, mauvaises pas choses. mauvais, non. Oh, mais moi, ma santé, c'est ça monte, ça descend. Oui. Ouais. Mais l'appartement là où tu vas aller, là, il va être bien. Hein, tu vas être bien. Oui. Oh, bah, j'ai de la chance, hein. Franchement, Oui, ça fait 2 ans que mais. j'ai fait ma demande et là, tout neuf, enfin bien, Oui. quoi. Bien, bien, bien. Oui. Les prénoms de tes filles, c'est quoi? Tu veux toutes? Ben, tant qu'à faire, oui. Alors j'ai Isabelle, Oui. Moi, je croyais qu'il y avait un nom Sandrine, américain, moi. Sandrine, Oui. Myriam, Oui. Audrey. 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 Voilà. C'est pas Audrey qui est enceinte, hein? Ah, bingo. Je suis Bingo, sûr. t'es tombé dessus. Bah oui. Bon, c'est pas une période idéale, c'est pour ça que Non, peut-être bah qu'elle aura non. des contrariétés de Elle santé. est contrariée et ça se sent au niveau de son ventre. Voilà. Mais elle va l'avoir, ce bébé, quand même. Oui, il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas D'accord. de raison, il faut lui dire d'arrêter d'angoisser. Oui. Mais elle va me ressembler. Moi, je suis une angoissée de la Ah vie. ouais, mais tu vois, quand j'ai eu Bruno tout à l'heure, et ben c'est un peu la même. Elle a la tête qui tourne comme ça parce qu'elle s'angoisse trop. Ben voilà, je n'arrête pas, je Elle a suis une des vertiges à angoissée. cause de C'est ça. ça que je me crée des problèmes de santé aussi, parce que je suis une angoissée de la vie et malheureusement, Voilà, elle va tu avoir vois, besoin j'ai. de elle va avoir besoin aussi d'hydrater sa peau. Elle a tendance à avoir les mains sèches. D'accord. Donc, faut lui dire tant qu'à hydrater ses mains, et ben qu'elle hydrate aussi son ventre. Ouais. Voilà, tu sais, quand on met un peu de gras sur les mains, ben on peut mettre sur le ventre, ça évite les vergetures en même temps.
Bon, tu me vois rencontrer un homme riche, beau et intelligent? Ben, on parlait de ta fille maintenant. Ah là 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 là. Oui, tu vas rencontrer quelqu'un qui est frisé, qui a des cheveux frisés. Ah non, c'est pas possible. C'est, me dis pas que c'est ton ex qui était comme ça. Non, non, pas ah du bon. Tout. Non, je vois non, quelqu'un non. Qui a des cheveux frisés, et, grisonnant frisé. Bon, en ah. même temps, à nos âges, c'est un peu normal qu'on a les cheveux plus ou moins gris. Hein. Oui. Voilà. Mais voilà, donc je vois ça, mais les cheveux, c'est pas des cheveux raides. Ah, d'accord. Et tu vas tomber sur quelqu'un de sympa et je pense qu'il il aura eu des responsabilités dans sa vie de travail. Dans sa vie de, comment on dit ça, sa vie de travail. Donc tu vois, c'est marrant parce que ce déménagement, j'achète des kits ou quelque chose comme ça. 2015 qui a été une année très mauvaise. Oui. J'espère que ce renouveau va venir avec mon déménagement oui, ou autre oui. chose. Oui, oui, oui. J'attends oui. beaucoup. Oui. C'est j'attends ça. Beaucoup, un nouveau départ. C'est ça. Oui. C'est ça. Mmh. T'as pas changé de voiture? Non. Non. Bon, t'as pas envie de changer de voiture? Non. Bon. Non, non. Parce que souvent, quand on change de voiture, on change de vie en même temps. Ah. C'est pour ça que non, je faisais beaucoup de... Dans les rêves, c'est bizarre. Je rêve beaucoup de la mort, la transformation, le renouveau, quoi. Bah, c'est bien. C'est bien. Bah, ça fait peur, quand même. Bah, quand on rêve de mort, souvent, c'est qu'on prolonge la vie de quelqu'un. Ah, ça, c'est bien, par contre. Voilà, souvent, c'est ça. Hein. D'accord. Voilà. Ceci dit... Quand on peut rêver réellement, parce qu'il y a des rêves-messages aussi. Hein. Et, oui. et dans ces fameux rêves-messages, quand on rêve de la mort de quelqu'un, ça peut être la mort vraiment d'une personne. Mais c'est rare quand même. Hein. Oui. Ça, c'est des rêves prémonitoires. Oui, oui. Oui. Bon, bah, écoute, dans l'ensemble, c'est bien. Hein. Moi, je pense que c'est pas mal. Il y a pas mal de choses à venir. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une voiture nouvelle qui arrive, mais c'est peut-être pas pour toi, c'est peut-être pour une de tes filles. Oh, bah peut-être. Peut-être. Ben oui, j'ai l'impression qu'il y a ça qui arrive. D'accord. Comme si... est-ce qu'il y a une de tes filles qui a une deux portes et qui voudrait changer pour prendre une quatre portes? Ah, peut-être. Ben si ma fille a son bébé, peut-être. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Ouais, mais est-ce qu'elle a une voiture deux portes? Oui. Alors, elle va acheter une voiture quatre portes. Voilà, c'est ça. D'accord. D'accord. Voilà. Et c'est peut-être ce qui va causer ces problèmes dessous. Ah, bah oui. Voilà, on a trouvé le pourquoi du comment. D'accord. Voilà, alors, je sais plus quoi te dire. Bah, je crois que tu m'en as dit pas mal déjà. Oui. J'ai pas de questions précises. Bon, la santé, moi, ça vient. Mes filles vont bien. C'est des... Bon, tu vas peut-être avoir quand même une petite, des petites piqûres, peut-être, que tu vas avoir. Oui, possible. Parce que c'est, je pense que c'est par rapport au dos. Ah, d'accord. Je sais pas, mais je te vois. En fait, je te vois qu'on te pique les fesses, en fait. Ah, super. Voilà, mais c'est une petite série de piqûres que tu risques d'avoir. D'accord. Voilà, mais rien de grave non plus, hein. Bah, mon dos, de toute façon, on ne peut plus rien faire, alors c'est trop tard. Bah, juste soulager la douleur. Bah, voilà. Donc, ça peut se faire par rapport à des... Peut-être avec une série de piqûres. Pourquoi pas. Voilà. On me parle de ta respiration aussi. Tu as besoin de prendre l'air aussi, hein, parce que on sent que tu étouffes un petit peu chez toi. Ouais, je suis casanière. Voilà, mais tu as besoin de prendre l'air. Il faut que je... Bah oui, mais tu as vu le temps. Bah oui. Ben, bon, c'est pas encore le temps à faire des barbecues, mais bon, ça va peut-être venir. On va sur les beaux jours, là. Ben oui. Ouais, il faudrait que je bouge un peu plus. Voilà, essaye de sortir un petit peu et de oui, de bouger, d'aller te promener, tout ça. Mais ça, c'est, comme tu vas voir tes filles, ça va le faire. Puis après, il y aura le bébé qui va arriver. Déménagement, je me rapproche de chez mes filles, c'est très bien. Voilà. Et vous pourrez aller vous promener dans le parc. Il doit y avoir un parc à côté de chez Audrey, là. Oui, ben et, voilà. Voilà. Et je pense que vous allez aller vous promener dans le parc à côté de chez Audrey, là, avec la poussette. Ah, t'es trop fort, quand même. Voilà. On me montre trop ça. Trop fort, Jeff. Bah oui, parce que je cherche des choses à te dire aussi, parce que c'est pas facile. Oui, mais...
J'écoute. Bah oui, parce que j'ai l'impression d'avoir tout dit, puis maintenant je fouille, je cherche des choses que je peux te dire. Voilà, oui. Il n'y a pas un plan d'eau, quelque chose comme ça, qu'on peut faire le tour ou Où? là où tu es, ou là où tu vas aller, pardon. Non, là où je vais aller, oui. Voilà. Ouais. Bah, voilà, parce que je vois vous promener là aussi. D'accord. Voilà. Oui, si, il y a un beau parc avec un grand plan d'eau, des canards, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Des Donc, fraises et des ouais, je me sens framboises. un peu isolée là où je suis. Oui. Et j'attendais justement ce renouveau. C'est un super renouveau pour toi et franchement, ça va t'apporter plein de belles choses. Ah oui, il est temps, Jeff, hein, je te jure. Ouais. Voilà, t'as besoin de t'aérer les poumons. Hein. Oui. Voilà. Tu fumes toi ou de. J'ai ralenti, mais je fume Aïe, aïe, toujours. aïe, aïe, oui. T'as besoin de t'aérer les poumons, c'est pas pour rien que je te dis ça en fait. Hein. Ouais. Ouais, voilà. Bon, sorti de là, ben, il va falloir ralentir un petit peu plus encore. Ben oui, De je toute vais façon, même t'auras pas le arrêter, droit ce de sera fumer bien, hein? avec. T'auras pas le droit de fumer avec le bébé. Non. Donc, tu vas encore ralentir un petit peu plus. Très bien. Voilà. Tu es dans à quel coin là? Où c'est que tu habites? Là où j'habite, c'est ben moi je suis à 15 bornes de Rennes. Oui. Ça s'appelle Je suis bientôt à côté de Rennes. Je vais faire un salon Ah. à Plémé, du côté de Plémé. Oui, il me semble que tu as marqué, non, sur Oui, ton. bah je suis au mois de mai, je crois, je suis par là-bas, je vais ou au mois d'avril, je fais un salon du bien-être et je fais la voyance là-bas. Ah d'accord, Donc bien. si à la limite si un jour tu as l'occasion de passer Ouais. ce jour-là, voilà, tu peux amener les copines, il n'y a pas de problème. De toute façon, je verrai sur ton site. Oui. Et ben c'est tout. Voilà. Bon. Je vois rien d'autre à te dire de plus, je veux pas broder pour Non, bah non, on ne dit pas plus, c'est déjà bien. Hein. Voilà. C'est déjà bien, mais on m'a santé à surveiller un petit peu, quoi. Oui. Morgane, est-ce que ça te parle? Non, ça ne me dit Alors, rien non plus. je sais ce que c'est alors. Tu as une de tes filles qui est toute seule? Voilà, et ben elle va tomber amoureuse. Je suis Morgane de toi. Alors, l'aîné qui a 44 ans? Et ben moi, pour moi, elle va tomber. Elle va tomber Morgane. Et Morgane, c'est Renaud qui Ah, chantait ça. Morgane de toi, oui. Voilà. Et en fait, j'ai eu la chanson de Renaud. Et Morgane. Et je pense que c'est pour une de tes filles. D'accord, oui, parce que toutes les autres sont mariées, donc Voilà. Et là, ben, et ben, je vois que et celle-là. ben celle qui est toute seule, elle va rencontrer quelqu'un. Elle va pas rester toute seule. En disant, ça va être dur, hein. Voilà. Et c'est marrant. Je la vois foutre ses pieds dans l'eau. Je vois comme une rivière. Elle habite où, elle? Ah bah elle est pas loin de Morlaix. De Morlaix. Ben, il y a la rivière à Morlaix. Ben oui, c'est pour ça. C'est marrant. Ah, écoute, c'est là où j'étais avant. Voilà, d'accord, ok. Ça me parle. Donc, Voilà. je la vois avec son compagnon, on va dire. Et je les vois assis sur le. La rivière, c'est comme si on pouvait presque descendre dans l'eau et tremper ses petits pieds dans l'eau. Ah, dis donc. Et voilà, et elle va faire ça avec son nouveau conjoint, on va dire. Ouais. Voilà. Bah écoute, c'est bien. Voilà, pour le coup, j'ai plus rien à te dire. Bon, bah, merci, Jeff. Voilà, et ben je te dis à bientôt quoi À sur LTU bientôt et Radio très bonne et continuation à ta radio et à tout ben le c'est monde. gentil, ben il faut parler d'LTU. Voilà, ben ce serait bien qu'il y ait ben des gens qui viennent et voilà que Ben, je partage quand je peux. ben c'est bien, mais c'est comme ça que ça évolue hein, que les Oui. Voilà, parce que si on reste entre nous et puis que ça évolue pas, il y a un moment où il n'y aura plus personne pour les émissions de voyance. Enfin, il y a plus de 100 C'est vrai. personnes qui attendent. C'est vrai. Donc C'est vrai. voilà quoi. Bon, ben alors, bonne chance, hein, Jeff. Voilà, à bientôt. Allez, merci, à bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Voilà, c'était Marie-Hélène. Voilà. Alors, je regarde s'il y a des petits mots dans le.
Ah oui, donc c'est moi qui écrivais ça, n'hésitez pas. Yann, Jeff, Jacqueline ne sera pas demain. Alors, mais si, demain, Jacqueline revient. Elle revient demain. Voilà, elle sera là demain. Elle a eu quelques soucis avec sa maman. Et tout est rentré dans l'ordre et elle sera là demain. Et puis après, si elle a envie d'expliquer ce qui s'est passé, ben, elle expliquera, quoi. C'est pas à moi de le dire. Hein. Voilà. Donc, rendez-vous demain avec Jacqueline à partir de 19h30. Voilà, je l'ai eu au téléphone le week-end dernier. Alors, je regarde s'il y a d'autres messages. Il n'y a rien écrit en mauve. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de message. Voilà. Alors, on va s'écouter. Je viens du Sud avec Chimène Badi. Et après, on accueillera donc Christine. Voilà, à tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Patricia Morin et je vous invite à écouter l'émission Les Petits Secrets de Patricia, diffusée chaque jour de la semaine sur votre radio LTU Radio Brest. Au fil des émissions, je vais essayer de vous transmettre tout ce que je sais et je vous parlerai des plantes et diverses recettes naturelles efficaces depuis toujours pour soigner les petits bobos du quotidien. Certaines de ces recettes, si je puis dire, m'ont été transmises par ma grand-mère, elle-même guérisseuse, ou encore glanées ça et là, parfois auprès des anciens, ainsi que dans divers ouvrages ou encore de quelques confrères magnétiseurs. Je vous dis donc à très bientôt sur LTU Radio. Voilà, c'était une petite annonce pour l'émission de Patricia. Voilà, Patricia Morin, qui est magnétiseuse. Donc, si un jour vous avez besoin, hein, pourquoi pas, sait-on jamais. Voilà, en tout cas, elle est là tous les jours à partir de 18h et elle vient vous parler un petit peu de phytothérapie et de soins naturels du corps avec les plantes. Voilà, tout simplement. Voilà, alors on retrouve LTU Radio et la voyance et la médiumnité avec Au cœur du temps. On accueille, Christine. Allô, allô. Allô. Oui, Christine. Ah bah ça a l'air de marcher. Oui. Bon, alors, ici. On te sent comme si tu courais partout. Oui, c'est ça. Je cours parce que je suis très contente de vous avoir au bout de la ligne parce que j'y croyais pas du tout. D'accord. Ah ben oui, on n'est pas de Noël encore, mais bon. Non. Voilà. C'est mais on peut se tutoyer depuis des années, donc voilà. On peut se tutoyer. Oui. Voilà. Oui. J'ai l'impression que dans ta vie, tu t'occupes beaucoup. J'imagine que c'est comme si tu t'occupais de tout le monde. Oui. Voilà. Et quand je disais tu j'aime bien faire plaisir à tout le monde et j'essaie de donner ce que je peux quand je peux. Ouais. Parce que je suis pas forcément quelqu'un de très très aisé, mais bon, j'y arrive comme je peux. Voilà. Mais on dit de toi que tu cours partout et que c'était pas pour le téléphone que je te disais ça. Hein. C'était pour dans ta vie en général. Oui. Voilà. Oui, mais dans ma vie oui, en général, oui, c'est ça. Et oui, on te dit que des fois il faut faire une pause, des fois. Oui, c'est vrai. On me l'a dit déjà, mais je ne sais pas faire. Bah, il va falloir apprendre. Ouais, la mère. Ouais. Oui. Voilà. Parce que c'est pareil, mais ce soir, j'ai que des jambes fatiguées ce soir. Ah, bah alors. Alors. Je parle d'Étienne, là, maintenant. Oui. Voilà, mais ça, c'est parce que tu es trop pour tout le monde. Oui. Est-ce que tu aurais une fille que tu aides et que tu es toujours derrière? Oui, j'en ai deux filles, donc je ne sais pas, ce soit peut-être la. Il y en a une que tu dois aider peut-être plus que l'autre. Oui, oui, ça doit être ma fille aînée. Voilà, parce qu'on me dit que c'est comme si tu lui courais après pour l'aider. Oui. Donc ça veut dire qu'en même temps, elle doit pas trop avoir envie que tu lui donnes un coup de main. Ouais. Donc elle court devant toi et toi tu la rattrapes pour l'aider. Tu lui cours derrière. D'accord. En quelque sorte. Donc, il faut que je lui laisse un petit peu de liberté. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai même pas besoin de dire les choses. Oui, c'est vrai.
Alors, moi, mon secret de famille, c'est je recherche mon frère, surtout mon frère. Ah, ton frère qui est... Que j'ai perdu depuis des années. Oui. J'ai toujours eu envie de le retrouver, ce frère, parce que j'ai oui, j'adorais mais mon frère. Il avait quel âge? Il avait une vingtaine d'années, lui. Oui, voilà, c'est ça. 20 ans, et toi, tu étais... pas beurre. J'étais plus jeune. Et toi, tu étais jeune. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose par rapport au sud de la France? Au sud de la France, je suis avec quelqu'un qui habite par là-bas. Mais parce qu'on me parle de Toulon. Non, pas vraiment. On me parle de Toulon. Toulon? Ouais, Toulon, mais donc c'est le sud. Mais ça ne veut pas forcément dire Toulon, hein. C'est le sud. C'est le sud. Voilà. Et donc tu as quelqu'un dans le sud de la France? Je fréquente quelqu'un en ce moment qui habite Montpellier. Montpellier, donc dans le sud. D'accord. Ouais. Okay. Ouais, mais toi, tu n'es pas dans le sud. Oui. Mais moi, j'habite à Mayenne, moi. Je suis pas. Voilà, tu n'es pas dans le sud. Toi, tu n'es pas dans le sud. D'accord. Non, c'est bien ce que je pensais. Hein. Parce que tu t'occupes de tout le monde, tu ne penses même pas à toi. C'est vrai, oui. Oui. Parce que c'est dans ma nature, surtout. Ouais. J'aurais envie d'être bien avec une personne, mais à chaque coup, ça ne marche jamais, quoi. J'arrive pas à avancer. Oui, ça, je le conçois. Ça fait combien de mois que tu es avec ton compagnon? Ça va faire 2 ans, à peu près. 2 ans, d'accord. Donc 24 mois, quoi, en gros, quoi. Mm. D'accord. Normalement, je dois m'emménager avec lui au mois de juillet, mais j'ai trop de doutes. J'ai pas trop confiance. Qui me fait que j'avance pas. Je dis oui, je dis non. J'avance moi, pas. Je pense pas. Je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais j'ai du mal à croire. Oui, voilà. J'ai du mal à croire ça, et ça me retient. Et il faut pas qu'on te force la main. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'il te comme si t'es obligé en quelque sorte. Et... Je voudrais aller avec lui dans le sud, mais moi, ma famille, elle est ici. On va dire qu'il a un caractère fort, peut-être. Oui. Et des fois, il te fait dire... Je vais schématiser. Hein. Il te fait dire non quand tu as envie de dire oui et inversement. D'accord. Donc, il faut que tu restes toi-même. D'accord. Être avec quelqu'un, et pour être bien, il faut rester soi-même. D'accord. Si tu n'es pas toi-même, ce n'est pas la peine. Oui. Mmh. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est là que le bas blesse. D'accord. Voilà. Ouais. Et tu vois, j'ai du mal à respirer là. Et j'ai l'impression que quand tu es avec lui, tu respires pas. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Alors c'est pas la peine. Il veut faire plein de choses. Il a plein d'idées. T'as pas le temps de respirer. C'est pas moi, quoi. C'est pas toi. Moi. Bah voilà. Alors t'as tout compris. Moi, je veux les choses simples, pas les choses qui me compliquent trop la vie. Voilà. Et tu as compris de. Je viens de t'expliquer pourquoi que c'était pas bon pour toi. Mmh. Voilà. Merci, ouais. Donc, vous pensez que je vais retrouver mon frère si je vais du côté de Toulon? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour lui dans le sud aussi. Hein. Ouais, d'accord. Voilà. Maintenant, je peux pas le dire comme ça, mais il y a quelque chose qui m'interpelle par là-bas. D'accord. J'essaierai d'aller trouver par là-bas. Parce que j'avais téléphoné à la gendarmerie, il m'avait fait des recherches, quand il a disparu, il était où? Il était en Corse. Dans le sud. Oui. C'est bien ce que je dis. Mmh. Voilà. Il était en Corse, mais il a bougé entre deux. Donc, il a fait un peu Ajaccio, il est revenu sur... Il n'a pas été à Nice ou quelque chose comme ça? Et après, on l'a perdu de vue. Voilà, c'est ça, c'est Nice à côté, hein. Mmh. Nice, Marseille, voilà. Tout ça, c'est dans le coin. Et pour le retrouver, il faut que je fasse quoi? Moi, je pensais plus Nice pour lui. Ouais. D'accord. J'essaierai d'aller voir par là-bas. Voilà. Oui. Mais il a eu quelque chose, je ne sais pas. Moi, je sens ses mains. Comme s'il avait eu quelque chose à ses mains. Il faisait beaucoup de galles à cette époque-là. Je me souviens bien. Ah, de la galle des mains, d'accord. Soigner, oui, mais okay. Surtout aux jambes, pas aux mains. Alors, mais ouais, mais c'est des maladies de peau souvent, quand on a la galle, c'est sur le dessus de la main et entre les doigts. Oui. Et c'est là que je sens. D'accord. C'est pour ça que je te parle de problèmes sur les mains. D'accord. Ouais, ce serait bien ça. Voilà. Donc c'est ça. Il est du côté de Nice, hein, je suis sûr. Bon, d'accord.
je vais rechercher du côté de Nice, alors. Je peux le retrouver par intermédiaire d'une mairie, de toute façon. Oui, et il devait avoir un souci au niveau des yeux aussi, sur l'œil droit. D'accord. Ok. Est-ce que ça te parle ou pas ? Ce côté-là. Mais je ne comprends pas qu'il n'ait pas voulu revenir vers nous. Il y a eu des problèmes avec mes parents parce que. Mais il a fui. Mais c'est vieux, ça fait longtemps parce que. Ouais. Il y a eu une histoire de voiture aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que je le vois partir comme s'il y avait des reproches pour une histoire oui, de bagnole. Parce que son père est décédé et c'est mon père qui l'a pris en charge, mais ça n'a jamais passé avec mon père. Il y a une histoire de voiture. Bien, parce que c'était toujours des querelles, des bagarres, enfin, c'était ouais. pas très beau, quoi. Oui, oui, mais je comprends, hein. Je comprends. Voilà, donc c'était pour ça et moi j'ai l'impression que je ne suis pas la fille de mon père. Voilà, c'est un ressenti que j'ai par rapport à mes... C'est pas moi qui répondrai à ça. Hein. On ne correspond pas du tout. Je répondrai pas à ça. C'est pas mon rayon, on va dire. Oui, voilà. Je comprends bien. Et je sais que mon frère est parti et je suis très proche de lui. J'ai besoin de le retrouver. Pourquoi maintenant, je ne sais pas. Ça va venir. Ça va venir. Ne t'inquiète pas. C'est une question de temps là aussi, hein. Oui. Oui. Ah bah c'est super. Alors, si je peux arriver à le retrouver, je serai la plus heureuse je serais heureuse, quoi. Bah, la plus heureuse des sœurs, on va dire. Voilà, c'est ça. Tu vas le retrouver, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Ah, c'est super. Là, voilà. Je vais rechercher sur Nîmes. Alors on me dit aussi que tu as des petits soucis de santé, que tu peux soigner aussi avec, c'est marrant parce que je viens de passer l'annonce, avec la phytothérapie. Oui. Voilà. C'est quoi comme souci? Je sais que j'ai des problèmes d'intestin. Voilà, là, ça, tu peux soigner avec la phytothérapie. Il faudrait que tu prennes tout ce qui est à base de fibres pour balayer. Ouais. Pour faire un nettoyage intestinal, on va dire. D'accord. Voilà, et comme disait mon amie Gislaine, qui est celle qui m'a donné le tuyau il y a quelques semaines, Kata, je vais prendre son pseudo, utilise le citron. Le citron. Voilà, je retiens bien, mais le son aussi, quand on me dit quelque chose. Le citron, c'est acide à boire, mais à l'intérieur, ça fait un bienfait fou. Voilà. D'accord. Parce que depuis qu'elle m'a dit ça, je bois du citron aussi. Je vais faire ça, alors. Donc, voilà, je suis contente de vous avoir eu au téléphone. Attends, c'est pas fini. Le mental. Oui, c'est pas fini. Oui. Voilà. Donc voilà, il faut que tu prennes du citron. D'accord, bah, je vais suivre vos conseils. Voilà, on dira merci à Gislaine. Ouais, je vais la remercier alors. Autrement, rien d'autre. Bah, si tu as une petite question à poser, parce qu'on a encore 5 minutes devant nous. C'est encore 5 minutes ? Oh oui, tranquille. J'aurais juste voulez-vous savoir si avec mon fils, ça va s'arranger avec sa copine. Oui, c'est sa copine qu'on a marre ? Non, ils se sont séparés, ils sont venus ensemble. Et puis, c'est qui est parti ? C'est la copine qui est partie ? Oui. Oui, c'est ça, c'est sa copine qu'on a marre. Oui. C'est bien ce que je dis. Oui. Elle a du mal à passer l'éponge. Oui. C'est son tempérament, ça, oui. Ah oui, mais elle a du mal. On sent que, malgré tout, elle a son caractère. Hein. Oui. Et quand elle a décidé quelque chose, elle a du mal à retourner en arrière. Hein. Et elle a du mal à prendre les décisions intermédiaires, si je peux dire. C'est oui ou c'est non. D'accord. Il n'y a pas de peut-être. D'accord. Ok. Je voulais juste savoir ça. Et puis savoir si ma fille va bien se marier, parce qu'elle a des soucis avec son... Des petits soucis. Donc, j'aurais voulu savoir si le mariage va bien se faire. D'accord. Avec celle avec qui je suis derrière. Bah justement, c'est qu'elle court vite. Hein. Oui. Moi, j'ai un prénom qui commence par Mo. Oui. C'est qui ? Mo ? Oui. Alors là. Il n'y a pas Monique ou... Parce que ma fille, c'est Tiffany. Et non. Après, son ami, c'est Reynaldo. Non, c'est pas ça. Oui. Moi,
Moi, j'avais. C'est Monique ou Mo quelque chose. Momo ou Monique? Ouais, Monique ou Mo. J'avais Mo quelque chose, quoi. Oui, c'est ça, Monique, c'est une amie à moi, ça, oui. Voilà. Donc, c'est pareil. Donc. Ça, c'est une copine, là, il va falloir que tu. Et je pense qu'il va falloir que tu aides les deux. Et je pense que la personne que tu dis Momo, Oui. eh ben, je pense que c'est aussi quelqu'un à qui tu vas devoir donner un coup de main. D'accord. Donc, il y a Monique et Momo. C'est pour ça qu'on te donne Voilà, c'est juste le ça. mot. Oui, c'est son surnom, Momo. Ah, c'est Monique qui s'appelle Momo. Oui, Donc, voilà. C'est Monique qui c'est s'appelle normal que je Momo. dise qu'il va falloir que tu donnes un coup de main aux deux, parce qu'en fait, c'est la même personne. D'accord. Voilà. Je comprends mieux, là. D'accord, voilà. Bon, il y a un coup de main à Ouais. donner. Voilà. D'accord. Donc, ben voilà. À part ça, ma petite, eh ben, elle veut réaliser un métier dans les hélicos. Est-ce que ça marchera ou pas? Est-ce que elle doit continuer dans de ce. Alors, elle a un petit souci. Oui. C'est l'heure. Oui, l'heure. L'heure. Elle a un souci avec l'heure. C'est vrai, ça. Et donc, il va falloir qu'elle soit à l'heure. Soit à l'heure, d'accord. Et donc, et être à l'heure pour faire le métier qu'elle veut, ça veut dire qu'il faudra qu'elle soit au rendez-vous. Pour ce métier-là. D'accord. Mais Et elle si réussira? Oui, parce que c'est elle quelque ne chose réussira qui lui que tient si elle à se donne les cœur. moyens, c'est ça que ça veut dire. Oui, Parce d'accord. qu'elle a un problème avec l'heure. D'accord. Mais en allant plus loin dans le mot l'heure, eh ben c'est comme si elle avait un rendez-vous, que c'était possible, mais si elle ne se donne pas les moyens, elle ne sera pas à l'heure, elle sera en retard. D'accord, ouais, j'ai compris. Oui. Voilà, ça D'accord. veut dire que des fois elle se laisse aller dans ses études Ouais. et qu'il faut qu'elle mette un petit peu d'huile de coude, si je peux dire. D'accord, il faut qu'elle bosse, quoi. Voilà, il faut qu'elle bosse tout simplement, on n'a rien sans rien. Ouais, ça c'est sûr. Donc ça c'était Voilà, pour mais ma elle peut, fille et elle a les capacités. Elle a les mon fils qui veut capacités. se marier dans 2 ans, si vous avez encore une petite minute. Oui, il y Je a on dit voulais rien. savoir si ça va se faire aussi, parce que j'ai 2 enfants qui vont se marier. Ben, c'est bien, mais Deux. bon, je vais aller à la Oui. fête. Deux. Alors, le fils qui va se marier dans 2 ans, Oui. Enfin, un an ou deux. j'ai, oui, On mais ne j'ai sait pas l'impression encore trop, c'est que pas encore fixé exactement. lui doit avoir tendance à s'isoler ce fils-là. Oui. Et j'ai peur que pendant l'intervalle de 2 ans, ça peut tomber en cacahuète. D'accord. Parce OK. qu'il a, je vais dire qu'il a un côté personnel, si je peux dire. Et il a tendance à faire ses petits trucs dans son coin. D'accord. Tu as le droit de ne pas être d'accord, hein. Ouais. Mais je pense que je me trompe pas, hein. D'accord. Si c'est bien celui-là, parce que j'avais 4 enfants, donc Oui. c'est plus compliqué. Voilà. Autrement, dans mon boulot, dans mon travail surtout, Oui. est-ce que ça va bien se passer ou est-ce que je vais quitter mon travail parce que je pensais m'en aller à Ah, un moment ou l'autre? Alors, si tu pensais t'en aller, c'est que tu penses plus. Ben, disons que ça dépend si je suis mon ami Non, mais comme il veut que il y je a un côté suive, financier qu'il faut faire attention aussi quand même. je m'en irai. Alors, il faut faire attention parce que tu as des enfants qui sont très demandeurs, Oui. pour qui tu dépenses beaucoup. Hein? Et si tu quittes ton travail, tu risques d'avoir des soucis d'ordre financier. Donc, OK. voilà. Donc, ça veut dire qu'il te faut être patiente et chercher avant de partir. D'accord. Chercher autre chose. D'accord. Voilà. Mais c'est 3 enfants que tu as à la maison encore? J'en ai 2 enfants à la maison, Deux quoi. Mais j'en ai enfants un à la grand, maison. mais j'en ai une petite. Ah, mais donc, il y a trois à la maison. Oui. Voilà, c'est bien ce que je dis. Je n'ai pas trompé, c'est bien ça. Voilà. Oui. Autrement, tout va bien aller pour moi. Voilà, c'est pour ça que je te dis que tu as des enfants qui sont très demandeurs. Tout à fait. Voilà, et même on entend qu'il y a pas mal de bruit à la maison, hein. Oui, c'est ça. Ça bouge pas mal. Ben, ça bouge. Oui. Par rapport à moi, ça bouge. Ouais. Non, ben, c'est très bien. C'est Josette ou quelque chose comme ça que j'entends aussi? Josette. Oui. Non, ça ne dit rien, Josette ou Josette. Josiane? Josiane, c'est ma sœur. D'accord, ok. C'est ma sœur Josiane.
Ok. Oui. Et bon, quel rapport tu as avec ta sœur? Comment? Quel rapport tu as avec ta sœur? On est trop, moi, je suis très proche avec mes sœurs, avec ma sœur Sylvie, comme avec ma sœur Jojo. Josiane, c'est ma elle sœur, a, oui, elle a Josette, deux enfants. Décidément. À mon avis, on a dû vouloir l'appeler Josette avant qu'elle s'appelle Josiane. Ah, c'est possible, ouais. Ah, je suis sûr, parce que j'ai que Josette dans la tête. D'accord. Alors, Josiane, il faut qu'elle fasse attention à elle. Dans le surmenage. Oui. Elle se, ouais, sur, elle se surmène. Beaucoup. Elle est toute seule, elle élève deux enfants, c'est pas facile. Voilà, elle est surmenée et des fois elle est fatiguée, ça lui tire dans les bras des fois. Oui, elle me dit souvent qu'elle a mal dans les bras ou dans le haut. Voilà, du dos. Et il faut qu'elle fasse attention à ça, parce que c'est un problème de tension. D'accord. Elle est surmenée. D'accord. Donc ce serait bien qu'elle se fasse suivre par rapport à ça. D'accord ? D'accord, je vais lui transmettre le message. Voilà. D'accord. Ok. Donc c'est super. Voilà. Donc c'est bien. Ok. Ok, ça marche. Voilà. Et pense à toi et occupe-toi de toi. Et tiens, comme Bruno tout à l'heure, il faudra aussi aller voir le dentiste, je pense. Oui. Vous avez raison. J'y pensais en plus aller le voir. Voilà. Oui. D'accord. Voilà. Moi, j'irai voir le dentiste. Alors. Je crois que j'ai fait le tour à peu près. Hein. D'accord. Voilà, Josiane. Christine, pardon. Christine, ouais. Christine. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup. Voilà. Ben, je te souhaite une bonne fin de soirée. Oui, à et vous puis, aussi. À très bientôt sur LTU. Oui. Voilà. Alors, il y a Mysteria qui dit que le citron, pour nettoyer son foie. Tu vois, ah non, ça, c'est Juliette qui dit ça. Attends, ne quitte pas. Hein. Alors, il y a Mysteria qui dit que c'est alcalin. Et les fibres, vous m'avez dit. Et les fibres, c'est pour nettoyer. D'accord. Voilà. Mais le citron, je ne savais pas, en fait. Et c'est Ghislaine qui m'a appris pour le citron. Donc, voilà. Donc moi, je ne fais que répéter. Hein. Je fais le perroquet comme pour la voyance. Hein. Voilà. Alors, le Mysteria dit c'est alcalin pour le corps, le citron. Et après, il y a Daniela qui dit je vous souhaite de retrouver votre frère, Christine. Bon courage et bonne chance. Gros bisous. Tenez-nous au courant, SVP. Gros bisous. Gardez le moral. D'accord, je vous tiendrai moral. Au courant. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. À bientôt. Oui. Oui, les intestins. Oui, voilà. Voilà. Il n'y a pas d'autres messages, hein, je crois pas. J'en vois pas. Voilà. Donc, merci, Gisèle, de m'avoir dit ça, parce que voilà, ça fait une heureuse, en fait. Donc, c'est bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va s'écouter maintenant? Un vieux truc là encore. En fait, c'était une chanson que le premier jour où je suis arrivé chez. Je raconte ma vie, hein, mais c'est pas grave. Hein. Le premier jour où je suis arrivé chez ma première femme, il y avait une copine à elle qui était là en fait. Et non, je vais pas draguer la copine, hein, je vous rassure. Mais elle était en train d'écouter la musique, elle dansait chez mon ex-copine, on va dire chez mon ex-femme, et elle écoutait justement Daniel Gérard avec cette chanson « Oh Marilyn, Marilène, Marilou ». Et donc, je vais passer cette chanson parce qu'elle est sympa en même temps. Voilà, ne quittez pas tout de suite. Rendez-vous un mardi sur deux pour vos petites histoires de l'au-delà. Vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales? Venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission « Les petites histoires de l'au-delà ». Je vous attends, à bientôt, salut! Voilà, et moi de mon côté, j'attends vos petites histoires de l'au-delà, donc si vous avez vécu des phénomènes paranormaux ou tout simplement des choses liées avec l'au-delà, que ce soit une conversation, que vous ayez entendu, vu ou ressenti quelque chose ayant un rapport avec l'au-delà, alors venez tout simplement partager sur LTU Radio, voilà, c'est ce qui fait l'émission, les petites histoires de l'au-delà. Donc je compte sur vous.
Vous vous inscrivez sur lti-radio.fr et vous cliquez simplement sur inscription. Et voilà, de là, vous remplissez le formulaire et puis voilà, moi je vous recontacte. Et puis je vous remercie par avance. Voilà, voilà, voilà. On accueille Odile. Oui. Ça va, Odile? Voilà. Bonjour, chef. Ça va, tu vas bien? Oui, je vais bien, oui, oui, oui. Nous, ici, il ne fait pas trop mauvais. D'accord. Bon, alors. Voilà. Aïe, 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 aïe. Bon, 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 bon. Alors, je ne sais pas quoi te dire, parce que comme tu es déjà venu à l'émission, il y a quelques mois, je pense. Hein. Bon, on n'avait pas pu le faire. Ah, d'accord. Eh bien, on va le faire, alors. Ben non, parce que le câble avait coupé, tu n'avais pas pu... D'accord, bon, on va espérer que le câble ne rompe pas, on va dire. Et oui, j'avais pas pu passer en fin de compte. D'accord. Tu es en campagne ou? Oui, je suis dans la colline, dans un voilà, petit village. Voilà, on parle de campagne en ce qui te concerne, on va dire. Hein. Oui. Voilà. Et c'est marrant parce qu'on voit comme des vieilles maisons de campagne. C'est pour ça que je dis ça. Voilà, oui, je suis dans une vieille maison, dans une maison de village. Là. D'accord, voilà, c'est ça. C'est ce que village. Je ressens. Hein. Oui. Voilà. Oui. Terrain en pente ou quelque chose comme ça, c'est pas droit. Comment? Il y a un terrain juste à côté de chez toi? Non, je suis en plein milieu du village, moi. D'accord. Et alors, c'est marrant parce que... ou alors, tu dois aller... Tu vas chez quelqu'un qui a une maison avec un terrain en pente. Oui, 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 oui. Voilà, moi je ne désarme pas hein. Quand je vois quelque chose. Oui, c'est ça, oui. Voilà, et j'imagine que c'est une femme qui vit peut-être seule aussi. Voilà, c'est une personne âgée et... Et elle vit seule. Et, voilà. Et il va falloir que tu t'en occupes. Bah, je vais vers elle parce que elle a des problèmes, on dit pour au niveau articulaire aussi dans les oui, jambes. Voilà, elle faisait de la marche nordique avec nous et elle a dû arrêter parce qu'elle a eu des problèmes, donc je me suis occupée d'elle et là on reprend petit à petit la marche ensemble. D'accord, bah c'est ce qu'on me dit. Donc il faut que tu t'occupes d'elle, il faut que tu la coaches. D'accord. D'accord. Parce qu'elle D'accord. a des problèmes au niveau de articulaire dans les genoux, un petit peu au niveau des chevilles aussi et oui et, voilà. Et un autre au niveau de, elle a un point au niveau de l'aine. Alors, oui, c'est ça, oui. Et le point au niveau de l'aine, ça vient de la fatigue. Oui. D'accord? Oui, 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 d'accord. Donc voilà, et elle pourra reprendre tranquillement la marche nordique, mais avec un soutien. Voilà, c'est ce qu'on fait, hein. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs semaines. On marche tranquillou. Voilà. Donc la maison en pente, c'était pas pour rien. Enfin, le terrain en pente, c'était pas pour rien. Voilà. Est-ce que tu as des questions à poser? Moi, je voudrais partir, quitter le sud. Quitter voilà, le sud carrément? Je veux quitter le sud, ouais, parce que je voudrais me rapprocher de mes enfants qui sont loin. Ils sont où? Ici, j'ai personne et c'est amusant parce que j'ai fait cette réflexion après. Le 1er octobre, ça fera 20 ans que je suis arrivée dans le sud. Oui, mais là tu veux remonter. Voilà. Mais c'est au-dessous de Paris quand même? Je suis près de Toulon, moi. Non, non, tes enfants. Ah, mes enfants, oui, j'en ai un à Senlis, un autre qui est à Montion. Moi, je pensais que tu allais déménager en dessous de. Décidément, du côté d'Orléans ou quelque chose comme ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir... je voulais me rapprocher, mais ce que j'aimerais, c'est pouvoir aller dans le 44, dans le Loire-Atlantique. Si oui, c'est pas trop, trop loin non plus. Hein. Voilà, parce que j'ai un fils, mon dernier, qui voudrait investir et acheter une maison, il me l'a loué. D'accord. Parce que moi, on me dit que c'est en dessous de Paris, hein, quand même. Hein. Donc, Nantes, quand même, c'est en dessous de Paris aussi. Hein. Oui, d'accord. Donc, c'est possible que ce soit par là. D'accord. Voilà. En fait, tu coupes la France en deux, en dessous de Paris. En dessous de Paris, ouais. Voilà. Mais tu restes en dessous de Paris. Hein. Tu remonteras, mais tu ne dépasseras pas Paris. D'accord. Voilà. OK. Donc, c'est... Ça va se faire. Ça va se faire. Voilà. Parce que malgré tout, quand tu veux faire quelque chose, tu as du mal à aller jusqu'au bout. Hein.
J'ai du mal à me décider. Voilà, ça rame. Oui, je me pose plein de questions, je me mets plein de questions. Et là encore, mon fils m'a proposé ça il y a quelques jours. Et mon but, c'était d'être pas trop loin pour voir mes petits-enfants, parce que j'en ai quand même pas mal et je les vois pas beaucoup. Et en fin de compte, maintenant, j'ai envie d'aller... ça fera à peu près 4h30, 5h de route de chez eux en allant en Loire-Atlantique, quoi, dans le 44. Parce que je pensais aux 60, je pensais à l'Oise, je pensais à la Seine-et-Marne, là où ils sont, mais je... Voilà, ce que j'ai envie, c'est de... Là, ça fait 20 ans que je suis dans le Sud et que je me sens que j'ai pas avancé, que j'ai rien fait. Enfin, si, j'ai avancé dans certaines choses au niveau énergétique, spirituel. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression que rien ne se passe, quoi. Voilà. Et je voudrais que ça démarre là où je vais aller. Et pas me tromper, c'est pour ça que je... Voilà. Oui. Ben oui. C'est pour ça que, voilà, je voudrais pas me tromper de région non plus. Tu vas pas te tromper, t'inquiète pas. Tu te tromperas pas. D'accord. Et puis tu vas te retrouver facilement un cercle d'amis, tout ça. Hein. Oui, de ce côté-là. Parce que tu es quelqu'un de comment je peux dire ça, d'avenant. Oui. Voilà. Mais avec mon dernier, donc ça va se faire cette proposition qui me lance là. Est-ce que tu as du magnétisme ou des choses comme ça? J'ai travaillé le Reiki, j'ai fait des massages, mais ici, justement, il n'y a rien qui se passe. Voilà, donc ça veut dire que tu as du magnétisme. Enfin, je pense, parce que si on me dit de te demander la question, oui. C'est que il y a quelque chose à développer de ce côté-là, mais pas là où tu es. Voilà, ok. Voilà. D'accord. Donc, ça sera là-bas dans la région où je là, vais... Là où tu vas aller, quand tu auras ta nouvelle région. Ça va D'accord. se développer là. D'accord. Okay. Voilà. Maintenant, ne pars pas parce que je t'ai dit ça. Hein. Ah non, là, ça fait quand même un moment. J'avais mon aîné qui était là et qui est parti lui vivre en Savoie. Oui. Donc, je suis seule et je vois bien que là, rien ne se passe et j'ai envie de bouger. Et le 44, moi, j'ai suis allée une qu'est-ce que je veux dire, avec les enfants, ça me plaît. La Savoie, c'est aussi au-dessous de Paris, non? La Savoie, oui, c'est au-dessous de Paris aussi, oui. C'est dans l'Est, mais au-dessous de Paris. Voilà. Voilà, c'est bien ce qu'on me dit, hein. c'est au-dessous de Paris que tu vas aller, tu ne traverses pas Paris. Oui, mais aller en Savoie, je ne peux pas tellement, si tu veux, au niveau du chauffage, il faut que j'aille dans une région où il ne fait pas très, 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 très froid, parce que financièrement, je ne pourrais pas... Voilà, je pourrais pas joindre les deux bouts. Oui, je voulais dire il faut pas mettre de lien sur le chat sans demander l'autorisation. Voilà, c'est une des règles. Il va falloir que j'édite tout ça parce que je suis en train d'enlever les liens et c'est pas bon. Et en même temps, je fais la voyance, alors c'est pas terrible quoi. Voilà. Oui, donc si tu as des questions à poser, je suis open. Oui, je voulais donc savoir si c'était bon pour moi pour le déménagement, mais si c'est plus la Loire-Atlantique ou... Tu m'en demandes beaucoup. Attends, je vais voir si je peux trouver quelque chose. Attends, hein. Je pense que c'est plutôt la Loire-Atlantique. D'accord. Plutôt Nantes. Du côté de... Oui, Nantes, c'est ça. Hein. Oui, il y a Nantes, oui. C'est Nantes que c'est ? Non, mais c'est dans la région, oui. C'est Nantes, La Roche-sur-Yon, tout ça, quoi. Voilà. J'ai vu des maisons... Mais c'est par là que tu vas aller, hein. C'est dans ce coin-là. D'accord. Et est-ce que là-bas, je vais démarrer quelque chose et... Je viens de te le dire. Oui, et au niveau sentimental. Alors, tu viens de te donner la réponse toute seule. Tu vas démarrer quelque chose. Ah oui, d'accord. Alors, Odile se fait de la voyance toute seule. Non, tu vas trouver quelqu'un, il n'y a pas de souci. Je vais trouver quelqu'un. Oui.
D'accord. Oui. Il faudra faire attention aussi pareil, le dos chez toi aussi. Hein. D'accord, oui. On sent une fatigue à mi-hauteur du dos, là, mais on va dire au premier tiers du dos. Tu dois avoir un petit problème de colonne vertébrale. Oui. Oui, j'ai une douleur un là, pour l'instant. Il y a un tassement de vertèbres là à tous les coups. D'accord. Voilà. Oui. Oui. Mais tu as des soucis au niveau masculin avec tes relations, moi. Mais j'en ai plus depuis longtemps. Bah oui, il y a des soucis de ce côté-là qu'on dit. Je crois que ça fait au moins 7 ou 8 ans que j'ai divorcé en 86 et depuis je n'ai plus jamais. On va dire que c'est les vaches maigres. C'est les vaches maigres. Hein? On va dire que c'est les vaches maigres. Ah oui, très. Bah depuis. 30 ans, j'ai jamais revécu en couple et là, ça fait 7 ans que j'ai pas rencontré quelqu'un. Oui. Voilà. Oui. Bah, c'était pas le moment. ça va être le moment. En fait, moi, j'ai l'impression que quand tu étais là-bas dans ton, je sais pas où d'ailleurs, dans le sud. Ah ben là, j'y suis toujours. Là, hein. Voilà. Et ben, on a l'impression que là, tout est bloqué. Oui. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, tout est bloqué. Oui, il n'y a rien. Voilà. Et t'as beau remuer ciel et terre, et ben il n'y a rien qui... Voilà. Hein. Oui, c'est... depuis que je suis dans le sud, c'est comme ça. Il y a le soleil, il y a le beau temps, mais il n'y a pas le... Mais c'est tout. Hein. Ouais. Alors que dans le nord, il fait froid, mais les gens, ils ont le cœur chaud. Oui. Justement parce qu'il fait froid. Oui, c'est pour donc ça. Voilà. Dans le sud, c'est pas ça. Il fait chaud, donc on serait plutôt avec les glaçons pour mettre dans la nisette. Je plaisante, hein. Je plaisante bien sûr. Bah, je sais bien. Bah, oui. Voilà. Et je voulais te demander quelque chose pour ma fille, mon unique fille, parce que j'ai 4 enfants, mes 3 garçons et une fille. Est-ce qu'elle va trouver du travail, cette grande? Alors, elle s'appelle comment ? Claire. Claire, elle ne voit pas Claire. Eh oui. C'est marrant ce qu'on me dit, que c'est comme si elle ne bronchait pas. C'est marrant, je ne sais pas, on me fait sentir les bronches, mais je pense que le côté bronche, c'est pas, peut-être pas physique, c'est juste pour le mot. D'accord. Est-ce qu'elle n'est pas trop réservée ou trop timide pour chercher ? Bon, non, mais elle en a eu du travail. Ça fait 5 ans qu'elle travaille plus parce qu'elle avait des problèmes. Voilà, et là, j'ai l'impression qu'elle a un problème, qu'elle n'ose pas. Elle n'ose pas. Oui, elle a peut-être peur de nouveau de s'enfuir. Voilà, elle ne bronche pas. Quelqu'un qui ne bronche pas, c'est bien ce que je pensais. Hein. C'est pas une histoire pulmonaire, c'est une histoire de broncher. Elle ne bronche pas pour chercher du travail. On a l'impression que pour elle, c'est comme si c'était une fatalité. Oui. Et donc, peut-être qu'elle va devoir se faire aider pour retrouver du travail. D'accord. Il faudrait qu'elle aille voir peut-être quelqu'un qui puisse lui donner un petit coup de... Je vais pas dire un coup de fouet, mais un coup de... Un coup de boost. Oui. Elle a besoin, hein, parce que là, à mon avis, elle est découragée. Ben, là, oui. Voilà, et donc elle ne bronche pas. Elle se sent coincée là où elle est, quoi. Ben oui, elle ne bouge plus. Ben, elle fait comme moi dans le sud. Voilà. Et elle habite où, elle ? À Sevran. Et ça se trouve où, Sevran ? 93, en Seine-Saint-Denis. D'accord, donc ça c'est Paris, alors, pour le coup. Eh oui. Oui, puis c'est une région qui est... Sevran, c'est dans un endroit qui est... Oui, mais très... même dans sa vie, hein, dans ta fille, dans sa vie, je ne serais pas étonnée qu'elle soit seule. Oui, elle est seule. Enfin, d'accord. Elle est seule avec ses enfants. Voilà, parce qu'on la sent comme ça, elle est isolée. Ben oui, mais elle a fait une mauvaise expérience amoureuse. Il y a 3 ans. Elle a eu quelque chose de très difficile. Oui. Donc, voilà. Ça a été dur. Mais j'imagine, oui. J'imagine. Ah oui. Voilà.
D'accord. Alors, si tu as une petite dernière question rapidement, parce qu'on a un petit peu d'avance. Rapidement, bah, pour ma petite fille Mélina, qui est elle en Savoie, et mon fils aîné et ma belle-fille ne veulent donc pas la mettre, parce qu'elle est trisomique 21, ma petite fille. Oui. Ils ne veulent pas la mettre dans l'institut où on veut qu'ils la mettent, parce que c'est à plus d'une heure de chez eux, et que s'ils la mettent, ils ne la verront plus. Bah, ils la verront moins souvent, je ne sais pas qu'ils la verront plus. Ils pourraient trouver un groupe par une association qui viendrait. Excuse-moi, je te coupe parce que je. Alors, elle va aller dans un truc que c'est à moitié à la campagne. C'est pas vraiment la campagne, mais c'est à moitié la campagne. C'est. Je ne sais pas comment dire ça. C'est la ville à la campagne, si je peux dire. D'accord. Et là, il doit avoir un centre, je pense. Un centre où on les occupe. D'accord. Où elle va trouver d'autres personnes comme elle, et où il y a des gens qui s'occupent d'eux, qui vont les faire s'occuper. D'accord. OK. Donc, ils vont trouver quand même quelque chose où elle pourra rentrer le soir quand même. Ah, d'accord, oui. Ouais, parce que Ça va se faire. Voilà. Et je pense que la petite, elle a des soucis digestifs aussi. Oh, elle mange trop. Ah, il y a un problème, je sens son ventre, ça me donne mal à l'estomac. Eh oui, parce qu'elle se goinfre, comme eux, ils travaillent tous les deux et que des fois, elle est avec ses frères, elle va dans les placards et elle mange, elle se rend. Ah oui, mais elle se rend malade et je ne serais pas étonné qu'elle en arrive à vomir. Hein. Oui. Parce que ça me donne mal au ventre. D'accord. D'accord. Bon, Ça veut dire aussi que c'est de la bonne personne que je parle. Hein? Ça veut dire aussi que c'est de la bonne personne que je parle. Ah parce oui. Que, oui, oui. Parce que je D'accord. la ressens. Non, voilà. Moi, ça me rassure pour elle et pour les parents, quoi. Oui. Parce que partir comme ça à 11 ans et ne plus pouvoir voir ses parents, c'est. Elle ne pourra pas. Oui. Mm. Oui. J'ai l'impression que d'ailleurs, même les deux parents ne sont pas d'accord. Hein. Si. Ah, il y a une petite discorde. J'ai l'impression que le mari n'est pas d'accord. Tu vas en entendre parler, à mon avis. D'accord. C'est pas grave, hein. Y a rien de méchant, mais par rapport au centre qui va arriver, là, il y aura une petite discorde, tu vas voir. Ah, d'accord. C'est pas encore. D'accord. C'est pas encore. D'accord. Bon. Voilà. Du moment qu'elle y va, c'est l'important. Ta fille, elle fait pas des rêves prémonitoires ? Si. Elle a rêvé. Enfin, elle a des choses, ça c'est certain, hein, je pense, elle a rêvé de l'avion qui s'est. Enfin, elle a fait un rêve quand il y a un avion qui s'est écrasé, elle m'a dit qu'elle avait ressenti la fumée, elle s'est sentie dans le cockpit. Parce qu'on me dit qu'elle fait des rêves prémonitoires. D'accord. D'accord? Oui. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. t'es gentil, Jeff, merci. Voilà, attends, je vais regarder s'il y a des petites choses. Apparemment, il n'y a pas de... Attends, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Paulette qui dit, je disais donc, Jeff, que Marilène est le prénom de ma jeune sœur décédée en 2006 et que je connais une Marilyn, que je connais aussi, oui, Mylène, et qui me touche beaucoup avec sa petite sœur qui est décédée aussi. Oui. Alors, pour écrire, on écrit en fuchsia, c'est beaucoup plus... Là, je lis même de loin, j'arrive à lire, c'est nickel. Donc, si vous pouvez me conserver le fuchsia, ça serait super sympa. Alors, Daniela, un déménagement, un rapprochement vers votre fille et le changement de vie sera là. Et le moral aussi, bon courage pour vos enfants et leurs enfants, plein de bonheur. Bisous, bisous. Voilà, ça c'est un message de gentillesse pour toi. C'est sympa. Merci. Voilà. Donc, il faut investir dans une nuisette. Odile, tu vas investir dans une nuisette. Pour se balader en bord de mer, ça doit être sympa. Ah oui. On appelle ça un paréo, non? C'est pas ça?
Bah, il y a les paréos, oui, pour aller sur la plage. Parce que ici, nous, on part au plus pressé, on va dire. Mais... voilà. Voilà. Merci, Jeff. Voilà, Odile. Donc, c'est super. Je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Bonne soirée à toi. Bonne soirée et puis à très bientôt. Et puis, je suis content d'avoir fait cette émission de ce soir, quoi. Voilà. C'est bien, oui. Je te fais des gros bisous. Beaucoup, hein. Gros bisous, Jeff. À bientôt. Bonsoir à tout le monde. Odile, pardon. À bientôt, Odile. Au revoir. Voilà, c'était donc Odile qui va faire le petit voyage du sud vers le nord. Enfin, le nord. Le nord, c'est au-dessus de Paris. C'est pas... Voilà. Voilà, ben on va se quitter pour quelques minutes et on va retrouver Kate. Voilà, alors Kate est là avec son émission L'arbre aux étoiles. Donc ça parle de psychogénéalogie, de tarot et un petit peu d'astrologie. Voilà, donc comme je l'ai fait tout à l'heure, je vous rappelle que jeudi prochain, nous recevrons Florence Trichet qui vient de sortir un livre qui s'appelle Ophélie à fleur d'âme. Voilà, donc si vous voulez la contacter, hein, c'est Florence Trichet. Elle fait partie de l'association de Nantes Cristal. Non, c'est pas Cristal, je ne sais plus comment s'appelle l'association là-bas. L'association d'aide au deuil de Nantes, tout simplement. Voilà, mais c'est sur l'annuaire de LTU Radio, hein, donc si vous voulez trouver. Voilà, et elle fait partie de cette association et donc elle a écrit ce livre Ophélie à fleur d'âme. Et on aura donc le plaisir de l'accueillir jeudi pour venir parler de sa fille qui est partie, quoi, et qui s'appelle Ophélie et pour lequel et à travers lequel elle raconte l'histoire de sa fille, quoi. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'acheter ce livre, ben c'est tant mieux. Ça fait avancer un petit peu le schmilblick. Voilà, donc jeudi pour ce rendez-vous. Voilà, donc on va se quitter et on se retrouve d'ici un petit quart d'heure, parce qu'il est juste un quart et on reçoit donc Kate à partir de 21h30. A tout de suite, donc 3-4 chansons et puis on retrouve l'arbre aux étoiles.